J'ai un super cadeau pour toi. Aïe, je m'attends déjà au pire. Viens voir dans la chambre. Marco a mis un cadre dans la chambre d'hôtel. Il a hurlé à la mort. Horrible ce cadre, tu me l'enlèves, Marco. Non, je ne peux pas, il est très beau. Peut-être un plan pour vous. Oh, écoute, Coralie, tu me fais chier là. C'est Don Notario, c'est le nouveau. Ça fait 2 semaines maintenant qu'il est installé au Mont-Sympa. Sexy. Macho. Bonjour monsieur, je peux vous servir quelque chose? Oui, je veux bien une jolie rousse, s'il vous plaît. C'est un gros trompeur. Et tombeur aussi, il m'a dragué et tout. Je suis marié. C'est ta journée, mon petit cœur. Enchanté. Enchanté. Oui, écoute, méfie-toi du mec qui est en terrasse. Il veut sûrement te sauter, parce que je te rappelle quand même que la dernière fois que j'ai eu l'amour, il a disparu. Hein. Je suis à toi, Anina, dans 2 secondes. Voilà, je préparais le café. Voilà, dis-moi, je t'écoute. Voilà, écoute, Sonia, je suis venu te voir très tôt parce que j'ai des soucis avec ma sœur. Ah bon, quoi? Donc voilà, Don Notario m'a dragué, je le trouve très bien, j'en ai parlé à ma sœur, mais le problème, c'est toujours la disparition de ton frère. Hein. Ça va pas du tout. Michael? Ouais, voilà, c'est ça. Elle m'a déconseillé de trouver l'amour parce que souvent ça tourne mal et tout ça, et je trouve qu'elle a pas du tout évolué depuis sa disparition. Et je voulais te demander si par hasard t'aurais pas plus de renseignements, mais si tu pouvais pas en trouver ou quoi, parce que je sais que ça commence à me peser, et puis la voir mal comme ça c'est plus possible quoi. Mais écoute, Nina, maintenant il est 7h du mat, je vais m'apprêter et puis je vais voir un peu ce que je vais faire. Et de toute façon, toi tu bosses au bar de mon mari, non? Oui, je commence mon service dans 1 heure. Après ça, j'ai une pause l'après-midi. Je vais essayer de voir après un capitaine de police ou quoi quelque part. Les hommes sont en train d'examiner votre chambre, monsieur Rococo. Très bien, oui. J'aimerais bien savoir qui a volé mon cadre et que vous retrouviez ce voleur. Nous faisons de mon mieux, monsieur Rococo. Nous agissons dans les lois. Merci, capitaine Dourev. Vous êtes un bon flic. Le terme est un peu fort, mais j'essaie de faire mon métier du mieux que je peux, en effet, oui. Écoutez, moi je vais aller, je vous contacte dès que j'ai du nouveau. Au revoir, monsieur Coco. Au revoir, monsieur. Ah, j'espère qu'un jour on va retrouver ça. J'espère qu'on va le retrouver. Ah ben voilà justement le capitaine Dourev. Capitaine Dourev, attendez un petit instant, s'il vous plaît, je dois vous parler, c'est important. Capitaine Dourev. Oh, Madame Caliente, je vous écoute. Alors voilà, c'est par rapport à Michael Dallantom qui avait disparu. Est-ce que vous n'avez pas de nouveau par hasard? Non, toujours rien, non, mais nous enquêtons toujours. Impeccable, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, en effet, mon beau-frère, ça commence à faire longtemps qu'il a disparu. Hein. On enquête, monsieur Gothic. Pas mal, pas mal. Dis Brenda, je vais te demander quelque chose. Mais je t'écoute, Alexandre. Tu crois que j'ai une chance avec lui? Don Notario. Oh, tu le connais? Bien sûr, c'est un connard ce type. Il est lourd, fatigant et je sais pas, il a aucune qualité, je pense. Pourtant, il est pas mal, je dois dire. Enfin, je suis une fois allé lui parler. Bah, mon amour, qu'est-ce que tu fais dans les cuisines de Vladimir? Écoute, ne me dis pas que je suis là, mais il faut que je te parle. Je t'écoute à propos de quoi? On enquête au commissariat à propos du vol d'un cadre dans la chambre de mes parents. Tu ne serais pas pour quelque chose par hasard? Comment ça? Ma mère est venue hier te voir suite à une dispute. Et comme je te connais, tu as sûrement encore magouillé un plan. Et vous avez volé le cadre parce qu'elle ne le supportait pas. Ouh, tu vas chercher loin tes idées à mon amour. Tu sais bien que je suis pas quelqu'un comme ça. Non, c'est sûr, sauf que j'ai sorti 4 fois de garde à vue pour excès de vitesse, alcool au volant et tout ça, quoi. Oh, je suis pas comme ça. Embrasse-moi. Ça va alors. Bonjour, je peux m'asseoir? Bah, ne me demandez pas mon avis si vous asseyez quand même. Hein.
Enchanté, je m'appelle Alexandre Gothique et vous? Don Notario. Enchanté. Vous êtes quelqu'un de très sympathique, en tout cas, ce que j'ai pu entendre. Ah bon, c'est pas l'impression que je donne. Et je voulais aussi un peu savoir si vous n'étiez pas du bord pour les garçons. Alors là, je me suis gothique, je vous arrête tout de suite. Non, il n'y a aucune chance que je sorte avec un mec. Croyez-en, moi. Bon, je t'écoute, ce raid, j'ai du boulot parce que j'ai encore un client à voir. Je dois défendre encore un client qui vient d'entrer dans une prison. Je m'en fous, Salina, écoute. J'ai été voir le capitaine de police d'Ourev et ta belle-sœur, Sonia. Qu'est-ce que t'as encore été faire, Nina? Je t'ai demandé de plus de mêler de ça. Mais écoute, c'est pour ton bien, tu es trop mal avec ça. Je vais être clair, Nina. Ne te mêle plus jamais de ça, s'il te plaît. Mais tu peux pas comprendre, j'en ai marre de devoir te morfondre, de devoir pleurer. C'est plus possible pour moi, ça devient impossible, tu peux comprendre. Enfin, Dina, tu sais quoi, si tu veux pas, mais reste dans ta mère, t'as, avec ton Michael dans Thomas. Sois triste toute seule. Oh, ma chérie, je suis vraiment épuisé, je te jure. Ouais, je m'en doute, ouais, cette histoire de cadre. Ouais, pourtant, c'est une petite enquête comme ça de voisinage, mais c'est chiant à faire. Parce qu'on a quand même pas mal de retard sur la disparition de Michael Dallantom. Ah ouais, c'est qui exactement? Bah, c'est le mari de Dina Caliente, en même temps le frère de Sonia Gothic. Ah oui, je vois, c'est qui maintenant? Oui. On l'a toujours pas retrouvé. Non, sa disparition est quand même de plus en plus inquiétante. C'est vrai que plus le temps passe, moins on a de chance de retrouver, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et alors l'histoire du cadre aussi, ça c'est fort aussi. Marco Rococo, il a des doutes sur sa femme, comme si sa femme allait organiser un cambriolage pour aller voler chez lui. Parfois les gens sont un peu lourds. Ah, qui le dis-tu? Oui, c'est bien, Nina, tu peux retourner chez toi. Merci patron, c'est super gentil. Par contre, je suis un peu inquiète pour ma sœur car elle va toujours mal par rapport à l'histoire qu'il y a eu. Ouais, je sais, pourtant, notre beau-frère, donc, va falloir le retrouver, hein. Oui, allez, j'y vais. Je viens demain à 10h30, hein. Oui, ok. Non, mais je rêve, là. C'est Dina Caliente, c'est ma sœur. Oh, non! Non, c'est pas elle. Non, c'est une blague!